Et bienvenue à tous et à toutes sur Staff Live. C'est déjà le cinquième épisode dans le monde de Star Trek Online. Vous avez laissé dans l'épisode précédent une sorte de séquence qui ressemblait à du Mass Effect du pauvre. Et là, on est parti dans l'espace pour une séquence plutôt... Bref, c'est la merde. Vous allez dire, Estaf exagère, c'est pas si pourri. C'est vrai que graphiquement, c'est pas si hideux, ça pète un peu les oreilles, mais le gameplay est vraiment merdique. C'est bon, on est derrière. Fin des Soborg, putain. Là, il y en a trop en fait. Ça va pas être possible, on va vite se barrer. We held off what we could in Pollux and sent a signal out to you have handled things well. I will Merci. Be discussing that option. You and your crew have done well. Congratulations. Captain Volok told us to get to Earth Space Dock and... Allez, on se casse. C'est sympa, mais... Ça finit par casser les couilles. C'est marrant, même leurs effets de caméra qui bougent dans la dans le dock, bah ça rame, c'est étrange. Non, je crois pas que ça soit étrange, c'est juste que c'est de la daube. Fou aussi. S'en fout. Ah, c'est bon, allez. Mais c'est là qu'il faut parler, quoi. Rencontrer la Miran Queen. Ok, c'est super. C'est où? Ok, c'est pas là qu'il faut aller. C'est le truc vert. Alors là, par contre, c'est de la bouillie, la carte, là. Autant tout à l'heure, je trouvais ça cool. Là, c'est de la bouillie. Salut, t'es qui toi? Greetings. How can I assist you today? Qui t'es, well, where do I start? Ok, on s'en fout. On s'en fout de ta vie de rigolo. Allez, salut Amiral Queen. We have a lot to discuss, cadet. Yes, I see that here in the report transmitted by Captain Volok. He granted you a field promote. I've read the reports. That's. Don't worry. I have statements here, and you're exactly under normal circumstances. It's time to try something different. I need someone who can handle themselves. You will be assigned to the Klingon front, but first. Mm-hmm. Condition Alpha. Repeat. Condition Alpha. I've received a report. Mhm. Super. C'est passionnant, mon gars. U. Mhm. Et ma triste aventure dans le monde de Star Trek continue. Ce calvaire de bataille de l'espace. Et pour le moment, c'est pas très plaisant. Allez, on y va. C'est la joie. Faire quoi? Ok. Ok, super. C'est pas ce que je voulais faire du tout, mais on va dire que oui. Target
Dégage, mais ouais, c'est bon. La minute du combat plus tard, c'est toujours aussi chiant. Quand même, mon dieu. Voilà. La zone est safe. Ah, c'est tout le monde que je peux prendre? Ok, bon bah go. Salut! Allez, on s'en fout. Je dois te sauver, c'est ça? Allez. Ah, qui est le transporteur? Sachant que j'ai fait ma première mission avec une personne, là j'ai carrément une escouade, hein, ça devrait aller encore plus facile. Après c'est tiré sur qui là, question du jour. Allez, suivez-moi. Des voyous. Ah mais c'est trop facile, ils sont en plastique là. Ils sont en plastique. Alors je sais pas ce que c'est que stase temporelle. Il y en a qui savent. Quoi ça? Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Et limite, je m'en fous. Puisque je prends un cadeau quand même. Mettez les coups de plasma, je peux le faire. Ok, on peut les couper là. Oh, c'est vraiment trop facile. C'est même presque pas drôle. Avec un équipage, ouais, c'est presque chiant. On peut demander des renforts. Sans sérieux. Bon, peut-être que c'est plus dur après le jeu, peut-être que je suis super médisant, mais... Mais là, pour le moment, c'est pas ouf ouf quoi. Salut! Allez, c'est parti! Tout ce qu'elle est ta merde.
Ah, ok. Ok, c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Bon, ok, bon, voilà. Je me demandais ce que c'était. Bon, faire quoi? Pas très intéressant. Pourquoi il y a un étage? Ça sert à rien. Pourquoi il y a un étage alors? Retourner à la salle de chargement? Non. C'était que ça la mission? Buter 2-3 pecnos, désactiver 2 conduits et c'est fini? Ah non, va peut-être se corser. Ah ouais, voilà les bâtards. Qui ont pas d'armes. Petite grenade. Allez, on va les bourrer. On la bourre la grenade. Eh, ça résiste hein, pour les mecs qui ont pas d'armes. Oh, ça a chier les combats. Dieu, c'était moins chier. C'est encore plus à chier maintenant que j'ai un équipage là. Oh non mais c'était pas nécessaire la grenade les gars. On se calme. Dialogue vocal, c'est traduit quand ça veut. Oh, deux phrases de suite en français. Il va tomber la merde, trois. Putain, ça joue? Angle de caméra inutile. Ok, le son n'est même pas synchro avec la cinématique. Et je cours dans une station de merde. Oh putain. Les kilomètres qu'il faut faire, hein, tout ça pour sortir de cette station pourrie, quoi. Oh, quelle horreur. La mission de daube. Pourquoi t'es resté là, toi? Tu faisais grève ou quoi? C'est la syndicaliste du vaisseau. Elle veut pas bosser. Ah si, la porte doit s'ouvrir. Bon oui, c'était ça. Oh, mon dieu. Il saute comme un gogol. Merci, c'est cool. Leave now if you know what's good for you, Starfleet. We're taking the ship, her crew, and... Quoi, c'est bon quoi. Allez, petit du point quoi. Thank you.
cuirassé ce coup-ci. Putain, et ça va vachement vite. Ce truc-là, c'est chaud. Hein. J'ai découvert que les mecs avaient des pouvoirs, et qu'on pouvait les utiliser, bah, c'est plus simple hein, les combats en WC. Pas pour autant que c'est passionnant, mais... Ça peut être pratique ce truc quand même. Tu vas d'aller pour cette merde. C'est un plein combat jusqu'à... On s'en fout. Allez, on va secourir le capitaine Breton. Bah j'ai pas pris de dégâts. Ah si, capitaine Breton. Ah, juste à temps. Désolé, hein, j'ai quand même du mal à me mettre dans la joie et le bonheur. You saved my crew. I'll tell you whatever I can. Go back to Belaris for a few. You saved my crew. We have been having trouble when the containment field start. You saved my crew. I'll. Ok, on s'en fout. Yeah, c'est parti. Quelle belle mission. Contactez Starfleet. Well done. You saved that crew just in time. Ok, plein de cadeaux. Congratulations, Lieutenant. Je sais pas quoi sert les trucs en fait. We have a diplomatic mission. This is a delicate. Eh bien voilà, c'est pas comme si j'avais pas joué à ce jeu. La question ça va être, est-ce que je vais continuer cette aventure qui a l'air bien chiante, ou est-ce que vous en avez vu assez? Je pense honnêtement que vous en avez vu assez, et que vous êtes fait votre avis. En tout cas, ce sera à vous de me le dire dans les commentaires, si jamais vous voulez voir d'autres parties de ce jeu, mais je pense pas, voilà. Allez, on se retrouve bientôt sur Staff Life pour d'autres vidéos, et peut-être des jeux de meilleure qualité.